C'est au Monument aux Morts que l'Union nationale des anciens combattants et la municipalité ont tenu à commémorer l'anniversaire de l'appel du 18 juin, lancé depuis Londres par le général de Gaulle en 1940. Après le traditionnel dépôt de gerbe, Joseph Sikora, président de l'UNC Romba, a lu l'intégralité du texte de l'appel du 18 juin. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de la France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Monsieur Fournier, maire de Romba, a ensuite rappelé l'importance de ce rassemblement entre Londres et les forces de la résistance, avec notamment le sacrifice tragique et héroïque de Jean Moulin. Le 6 juin 44, on ne doit pas l'oublier, mais on ne doit pas oublier non plus la fondation, c'est-à-dire le 18 juin 40, et tout ce qui s'est passé entre 1940 et 1944, avec cet aboutissement, le 6 juin 1944, qui a quand même duré un an, jusqu'au 8 mai 45, pour qu'on puisse effectivement triompher de la dictature nazie, et de ce qui s'était abattu sur l'Europe. Voilà. C'est l'harmonie municipale La Concordia qui a clôturé cette cérémonie.